bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc les auditeurs vous connaissent, on ne vous présente plus Pierre Péchou, vous êtes chroniqueur, radio et puis télé aussi, et pasteur. Et vous nous invitez, comme à votre habitude, à prendre un passage de la Bible, que l'on trouve cette fois-ci dans la lettre de Paul adressée aux Romains, et il s'agit du chapitre 10, verset 17. Et je vais vous le lire tout de suite. Voici ce que dit ce verset. « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. » Alors comment est-ce qu'on doit comprendre ce passage, Pierre Péchou ? Eh bien, ce passage, je pense, nous aidera à avoir une vision peut-être plus claire de ce qu'est la foi et comment on peut faire grandir notre foi ou l'obtenir. La foi vient de ce qu'on entend et pas n'importe quoi, ce qu'on entend de la parole du Christ. J'ai choisi ce verset parce que ça peut être intéressant de se poser quelques questions d'abord sur la foi. Ce qu'est la foi, une définition, c'est la capacité à adhérer à quelque chose, à croire à quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement. Qu'on ne peut pas vérifier finalement. Voilà, c'est très bien dit, qu'on ne peut pas vérifier. Donc on va parler de foi dès qu'on est dans une croyance religieuse, mais on peut employer aussi ce mot pour d'autres occasions. Alors, dans l'expression religieuse, on va dire « j'ai la foi, je n'ai pas la foi ». Ça reste très vague. Est-ce qu'on ne naît pas tous égaux par rapport à la foi et que certains naîtraient avec de la foi et d'autres pas? Eh bien, la Bible ne dit pas ça. La Bible va se présenter comme une révélation de Dieu. C'est peut-être le moment de rappeler que la Bible n'est pas un livre, hein, mais une collection de plusieurs livres, plusieurs dizaines de livres, une soixantaine à peu près, écrits par différents auteurs. Et nous croyons que l'ensemble de ces auteurs a été inspiré par Dieu. Alors, le verset de Romains 10 dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Si on s'arrête là, d'ailleurs c'est une vérité populaire, hein, on va croire à des choses parce qu'on les a entendues. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote où un jour deux personnes parlent et puis une des deux personnes parlait de sa foi en disant « Ben voilà, moi je crois en Dieu parce que c'est écrit dans la Bible ». Et la personne en face lui répond ben, « Ce qui est écrit dans la Bible est faux ». Alors la première lui dit « Mais comment le sais-tu ?» Et l'autre répond ben, « Parce que c'était écrit dans le journal ». Je trouve ça, voilà, ça prête à sourire ou à rire, je trouve ça vraiment très très bien. Parce qu'on est dans deux types de foi en fait. La personne qui dirait ben, « Ce qui est écrit dans la Bible est faux parce que j'ai lu un article qui disait que c'était faux ben, », c'est un acte de foi que l'article a raison et que la Bible a tort. Donc effectivement, la foi vient de ce qu'on entend. On peut remplacer le verbe. Ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on apprend, ce que nos parents nous ont appris, et ça c'est très important, ce que notre culture nous a appris. Donc le verset va continuer, et ce qu'on entend par la parole du Christ. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer, préciser, comment est-ce qu'on entend la parole du Christ, Pierre Péchou ? Ben, de façon principale, à travers justement la Bible. La Bible se présente comme étant la parole de Dieu, la parole du Christ. Dans l'expression « on entend » ce qu'on entend par la parole du Christ, eh bien, ça nous parle d'une parole sur le Christ et d'une parole qui vient du Christ. Et ces deux choses, en fait, sont réunies dans la Bible. La Bible est un livre qui va nous parler de Jésus, mais c'est aussi un livre où Jésus nous parle. C'est pas tellement compliqué, en fait. C'est que si Jésus est le Fils de Dieu tel que le présente la Bible, qu'il est ressuscité et vivant aujourd'hui, il participe à l'inspiration de ceux qui ont écrit la Bible, puisque Jésus n'a rien écrit, mais des auteurs comme Paul pour l'Épître aux Romains, des auteurs ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Christ. Donc c'est bien une parole qui vient de Jésus, mais c'est aussi une parole sur Jésus. Et du coup, ça va quand même restreindre énormément ce que peut être la foi, enfin en tout cas, d'où vient la foi. C'est un peu l'objet de ce partage. C'est que la Bible se présente, comme je l'ai dit, comme un livre inspiré, mais qui est la parole du Christ. Et les personnes qui diraient « je n'ai pas la foi » ou « j'aimerais avoir la foi mais je ne l'ai pas », eh bien ici on a un chemin qui peut paraître un peu étroit, mais c'est un chemin qu'il est peut-être intéressant de prendre, c'est-à-dire de pouvoir avoir une Bible, peut-être trouver sur Internet aussi le texte biblique, et de commencer cette connaissance de ce livre, de ces livres qui forment la Bible, et croire qu'à travers ces révélations, puisque c'est inspiré, eh bien nous aurons une nouvelle connaissance de qui est Jésus. Et cette connaissance amènera à la foi
Et la foi amènera, et c'est ce que je souhaite à chacun des auditeurs, cette foi amènera à une relation personnelle et une très belle relation avec Jésus-Christ et avec son Père.